Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Toute la joyeuse équipe de Radio Mortimer sur son 31 et pleine d'énergie est heureuse de vous retrouver après la pause estivale pour une nouvelle saison théâtrale que nous espérons exaltante, surprenante, émouvante, drôlatique. Une saison qui nous interroge, nous fait frémir, pleurer, maugréer, rêver et réfléchir. Une saison qui nous soigne et apaise, nous emmène sur des chemins jusqu'alors inconnus, nous rend plus ouverts, humains et curieux des autres. Une saison douce et bousculante. Une saison brûlante d'enthousiasme. Une saison qui agrandira nos vies. Une saison de théâtre, quoi. Mais alors, où sommes-nous ce soir? Si je vous dis la cantatrice chauve, vous me répondez quoi? Eh bien, le théâtre de la Huchette, bien sûr. C'est ici que depuis plus de 560 ans se joue la cantatrice chauve. Une longévité unique dans l'histoire mondiale du théâtre. Un grand merci à Thomas Baudot de nous avoir ouvert les portes de ce lieu mythique. Sont présents ce soir Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Véronique du blog Théâtrelle. Bonsoir. Axel du blog Ceci n'est pas une critique. Bonsoir. Bénédicte du blog Nouvelle Claque. Bonsoir. Thibaut alias Titicatiam. Bonsoir. Suzanne du blog Mort du Théâtre. Bonsoir. Claire du blog Aparté Théâtre. Bonsoir. Yann du blog Yann le Galopin. Bonsoir. Ilona du blog Ilonartitude. Bonsoir. Maxime du blog Les Espaces Libres. Bonsoir. Et last but not least, notre indispensable Amérique québécoise. Bonsoir. Alors, nous allons commencer cette émission avec la puce à l'oreille à la Comédie Française. Alors, pour débattre, nous avons Thibaut, Titicatiam et Véronique Théâtrelle. La puce à l'oreille de Georges Feydeau, mise en scène par Lilo Bor, avec Thierry Ancis, Cécile Brune en alternance avec Clotilde Bézer, Alexandre Pavlov, Serge Bagdasarian, Bakary Sangaré, Nicolas, Jérémy Lopez, Sébastien Poudrou, Anna Servinka, Pauline Clément, Jean Chevalier, Élise Lomo, Biran Ba en alternance avec Clément Bresson, Camille Zay. Tout commence par un colis ouvert par mégarde par l'épouse de Monsieur Champdebise, des bretelles envoyées depuis l'hôtel du Minet Galant. Piquée, Raymonde se persuade qu'elle est trompée. Elle fait appel à son amie Lucienne pour rédiger une missive donnant rendez-vous à son époux dans ce même hôtel. Bien mal en a pris à la complice, car la lettre écrite de sa main tombe dans celle de son propre mari, qui se pense à son tour outragé. Tous se retrouveront au Minet Galant. Commence alors une infernale mécanique propre au maître du vaudeville. Alors, difficile de choisir un tweet pour cette pièce qui a visiblement enthousiasmé ses spectateurs. Et on retrouve des adjectifs dithyrambiques à foison. Réaction que je résumerai par le tweet de Renan Crowe. Énorme kiff, Lilo Bor a tout compris. Alors moi, je me permettrais d'ajouter simplement, mais c'est quand même très sexuel cette pièce, non? Qu'est-ce que tu en penses, Véronique Théâtrelle? Tu crois que c'est sexuel? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'allusions et il y a beaucoup de scènes qui se passent dans un lit. Alors globalement, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu hier donc c'est assez récent. J'ai trouvé qu'il y avait un rythme fou, mais avant tout, l'intelligence de Lilo Bor, c'est que elle a complètement transposé l'époque dans les années, 60. Donc ça dépoussière un peu la pièce, parce que ce genre de pièce, ce genre de vaudeville ultra classique, vu et revu, monté dans son jus, ça aurait été, je pense, absolument chiant. Et là, elle l'a modernisé, dépoussiéré, elle lui donne un bon petit coup de peps. Et du coup, ça marche parce qu'il y a des musiques façon années 60, etc. Ça m'a fait penser, j'ai pensé à OSS 117 à un moment. J'ai eu cette référence qui est venue dans mon esprit, j'ai pensé à Dujardin. Et je trouve que voilà, ça marche parce que c'est efficace, parce que c'est drôle. Ça marche parce que les comédiens français sont excellents et surtout parce qu'ils sont là. Parce que dans le jus et avec d'autres comédiens, je ne suis pas sûre que ça aurait aussi bien marché. Enfin, peut-être, bien sûr. Mais voilà, les comédiens sont top. Alors, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux de Jérémy Lopez qui est excellent. Oui. Moi, j'avoue que j'ai eu un gros coup de cœur pour la jeune garde du français, c'est-à-dire les jeunes hommes du français, c'est-à-dire j'ai trouvé que Sébastien Poudrou était excellent. J'ai trouvé que Jean Chevalier est excellent. Comprendront ceux qui l'ont vu. J'ai trouvé que Alexandre Pavlov, qui est un peu moins jeune, était absolument fantastique dans sa composition de médecin. Ils étaient vraiment bluffants. Anna Servinka était parfaite
Mais en même temps, c'est pas étonnant parce qu'elle l'est toujours. Voilà, je trouve que dans cette jeune garde, il y avait vraiment une espèce de fougue, d'énergie, de vivacité en eux qui était absolument sidérante et hilarante. Ils en font tous juste ce qu'il faut, sans jamais franchir la limite. J'ai peut-être une toute petite réserve sur Pauline Clément, mais voilà, c'est vraiment très léger. Dans l'ensemble, ça marche super bien, c'est efficace. Alors, c'est du vaudeville, c'est du classique, c'est du divertissement. On n'apprend rien, on se divertit, mais voilà, j'ai une pièce très sympa. Je vais laisser la parole à Thibaut parce qu'on me fait signe que je parle trop. Oui, mais alors moi, j'ai toujours pas ma réponse. Quoi? C'est quand même très sexuel, cette oui, pièce. Oui, c'est sexuel. Non. D'ailleurs, Birelle, je très sexuel. Je pense pas. Moi, je serais bien aller dans sa chambre. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses de je pense que, voilà, je pense que plus... toute atmosphère sexuelle a été démontrée vu les pulsions qu'a créé cette pièce chez Véronique envers tous les hommes du français, puisqu'elle a parlé de Sébastien Poudreau, de Jean Chevalier et d'Alexandre Pavlov. Donc on a bien compris que la pièce avait stimulé ses hormones. Mais, tout à fait. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé pour moi, de toutes les comédies et comédies de Feydeau que j'ai vues au français, c'est celle-là la plus réussie. Pour moi, ça fait longtemps qu'une pièce n'a pas été aussi bien jouée et aussi bien pensée aux Français, avec un rythme de folie, avec des comédiens, comme l'a dit Véronique, des comédiens de la jeune garde. Et je ne cache pas qu'au départ, quand j'y suis allée il y a 15 jours, je faisais un peu la tête de ne pas voir des superstars du français, de voir des pièces qu'avec de la jeune garde. Et justement, je pense que leur énergie et peut-être leur absence de statut de star du français les a peut-être rendus plus malléables au désir de Lille aux bords, et ils sont complètement insérés dans son projet qui est prodigieux par tous les petits gags en dehors même du texte, tous les gags dont elle illustre la pièce. Je ne dévoilerai pas, mais le plateau est tout le temps bourré de figurants, de micro-gags qui prêtent à sourire loin du propos qui est, comme l'a dit Véronique, très traditionnel et pour faire plaisir à Hélène aussi très sexuel. Mais je trouve que voilà, il y a une inventivité et un sens du rythme et de la mise en scène qui est absolument remarquable. Il y a vraiment très très longtemps que je n'avais pas autant ri à une pièce et autant ri au français. Pour moi, l'Éclipse est de loin, et le fil à la patte, et l'Hôtel du Libre-Échange, par toute la force comique qui est mise en place, et justement, loin du côté un peu traditionnaliste du fil à la patte, et du fait qu'elle reposait principalement sur l'abattage de Christian Eck, ici, chacun a son morceau de bravoure et chacun a un personnage vraiment clownesque qui porte le rire à chaque instant. Et je démentirais totalement la réserve qui est mise en place sur Pauline Clément, que j'ai trouvée absolument prodigieuse. Elle forme avec Anna Servienka un couple, et d'ailleurs je l'ai dit à Pauline Clément elle-même, un couple qu'on pourrait renvoyer au Maria Pacôme ou au Claude Jean Sac des années 60. Elles sont absolument prodigieuses, et Pauline Clément m'a fait penser dans le jeu qu'elle avait à Frédéric Bell dans La Minute Blonde. Voilà, je pense qu'elle est nourrie à la fois de Maria Pacôme et des références à La Minute Blonde. Alors, et c'est vrai qu'elle tortille beaucoup, et voilà, et elle est absolument magnifique. Ah, mais elle est belle et elle tortille beaucoup. Ensuite, je te rejoins totalement quand tu parles effectivement de tous ces petits gags que l'on voit, ces petits élèves de l'Académie française que l'on voit se balader, passer, que l'on voit à travers la baie vitrée. On voit des skieurs et tout, le tapis. Ils ne font pas tout dévoiler. Non, on voit des gens passer. On peut retenir aussi parmi la distribution la présence de Serge Bagdassarian qui a un double rôle. Et il est vrai que moi, ça m'a réconcilié avec Serge Bagdassarian, même si ce n'est pas l'acteur que j'ai retenu dans cette distribution. Ça m'a réconcilié avec lui parce qu'il est ici retenu dans son jeu. Il ne s'est pas laissé aller au jeu qu'il pouvait avoir depuis quelque temps dans La Tempête, où il n'était absolument pas crédible, ou dans qu'il se laissait aller à un personnage, peut-être son personnage de la vie. Là, il est vraiment bridé par la mise en scène de Lille aux bords et il s'y insère vraiment parfaitement. Et ça m'a vraiment fait plaisir de le retrouver. Ce que tu disais quand tu disais qu'on voyait davantage la jeune garde entre guillemets et que les stars du français étaient moins présentes, alors c'est vrai que pour moi les stars du français, il y a Thierry Ancis, Bagda en fait partie, et Jérémy Lopez, ils sont très bons, mais c'est vrai que dans cette mise en scène j'ai davantage vu quelques nouveaux, etc. Les autres sont là, ils sont présents, ils sont parfaits. Cécile Brune est géniale, voilà, mais on a l'impression que Lille aux bords a voulu laisser un peu
de place à ces jeunes-là. Moi, Jean Chevalier était Ah ben, hilarant. hilarant. Enfin, on ne peut que remarquer sa prestation dans un rôle qui est le plus difficile de la pièce. Et je rebondis sur Cécile Brune, il est très émouvant de la voir peut-être faire ses adieux aux Français dans Oui. cette dernière création, dans un rôle où elle excelle et Elle était elle attire magnifique. doublement l'attention pour cela. Et c'est vraiment très dommage de la voir partir. Bon, On ne merci. saurait le redire. Merci, cher chroniqueur. Alors, eh bien, nous pouvons dire qu'il ne faut pas que vous vous coupiez les poils pubiens en quatre et qu'il faut courir à la Comédie-Française pour voir La Puce à l'oreille, mise en scène par Lille au bord, avec la troupe de la Comédie-Française jusqu'au 23 février. Alors, Véro, puisque tu vas quitter le débat, il paraît que tu as un coup de cœur. Ah oui, c'est vrai. Alors moi, je voulais vous parler d'une pièce qui se joue au théâtre de Belleville depuis la semaine dernière et qui s'appelle Vania, une même nuit nous attend, d'un jeune collectif qui s'appelle Bail Collectif, comme son nom l'indique. Et donc c'est Vania d'après Tchekhov, parce qu'il y a quelques modifications dans le texte, mais assez légères. Mais on retrouve complètement l'esprit de Tchekhov. Alors c'est vivant, c'est dynamique, on retrouve toute la mélancolie de Tchekhov. Quand on rentre, alors à Avignon, je l'ai vu à Avignon l'an dernier, on était dans un dispositif trifrontal. Je ne sais pas si à Belleville ce sera la même chose, j'avoue que je ne suis pas encore allée voir. Et il y a quelque chose d'absolument magique dans l'ambiance, dans l'atmosphère qui prend le spectateur. Dès qu'il rentre sur la scène. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième pièce que je voyais à Avignon l'année dernière et j'en suis sortie avec un sourire béat et en même temps une espèce de, je ne sais pas comment dire, de bien-être quand j'en suis sortie. Alors certes, il y a des détails qui changent, mais dans chaque personnage, dans chaque phrase, dans chaque regard, on sent vraiment toute la plume de l'auteur. Tout est porté avec énormément de talent par chacun des comédiens. Alors je vais citer surtout Magali Godoner, qui était Elena et qui était toujours magnifique sur le fil entre deux sentiments, entre deux sensations. On la sentait vraiment osciller, mais jamais vaciller. Elle était absolument formidable. Le docteur Astroff, c'était un comédien qui s'appelle Stéphane Brel, qui était très juste, toujours parfaitement en équilibre. Et il y a une espèce de vitalité, d'énergie dans la pièce. Toute la douceur, comme je le disais, toute la tristesse du roman sont là. Et il y a une scène dont je me souviens, une scène qui est absolument sublime, où tous vont danser au milieu de la nuit. Et là, toute la salle était prise de frissons, de limite pour certains de tremblements. Et on était dans la maison de Vania, on y était tous, on ressentait tous profondément toute cette atmosphère. Et c'était absolument bluffant. La pièce a très très bien marché à Avignon l'année dernière, donc elle repasse à Belleville cette année. Et je voulais Au vraiment en théâtre parler. de Au Belleville, théâtre de tu veux Belleville, dire, pardon, oui. oui. Et je voulais vraiment en parler parce que j'en garde un souvenir absolument mémorable. Et il mérite, ce jeune collectif mérite absolument Et qu'on aille les voir. tu sais à quelle époque ils vont passer au théâtre de Là, Belleville? ils ont commencé la Ils ont semaine dernière. commencé, De d'accord. mémoire, ils ont commencé le 3. Et donc, pour quelques. Je te dirai ça après, pour quelques jours. Mais ça vaut le coup. C'est à 21h15 ou 21h30 au théâtre de Belleville. Et ça vaut le coup d'y aller parce qu'il y a quelque chose qui est totalement de tchékovien, qui est palpable. Et ça vaut le coup. Alors, merci Véronique. Je t'en prie. Tu vas rester puisque nous allons maintenant plonger dans les merveilleuses et troublantes années 80 avec Palace au Théâtre de Paris. Nous rejoignons au micro Axel de Ceci n'est pas une critique et Bénédicte Nouvelle Claque ainsi que Suzanne mordue de théâtre. Palace, qui comme son titre l'indique est issu de la série culte Palace, adaptée par Jean-Michel Ribes et Jean-Marie Gouriot, avec une pléiade de comédiens et de danseurs que je ne vais pas citer tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Selon Jean-Michel Ribes, ni souvenir ni nostalgie, simplement l'envie de laisser s'échapper sur scène la folie, le rire et l'émotion de ce palace qui ne m'a jamais quitté, tout comme ceux avec qui je l'ai inventé. Alors sur Twitter, Maxime Guénis s'exclame, à la fois flamboyante, rythmée et toujours aussi absurde, bravo! Es-tu d'accord, Suzanne? Ou quelqu'un d'autre? Pas tout à fait.
Moi, j'avais souvenir et nostalgie de l'émission que je regardais en famille sur Paris Première, un peu après la diffusion première, évidemment. Je l'ai revue avec grand plaisir l'après-midi avant d'aller au spectacle. Et c'était peut-être pas une très bonne idée parce que la comparaison nuit un peu au spectacle, à l'adaptation théâtrale de Ribes, qui certes, au niveau danseur, chanteur, tient le pari. Mais sur les sketchs, c'est un peu plus compliqué. Je te rejoins complètement. En fait, c'est comme tu dis, les comédiens et les danseurs tiennent la route, mais le tout a un côté très daté, très vieillot, et je ne suis pas sûre que cela revête un quelconque intérêt de le remonter dans un jus identique aujourd'hui en 2019. Et finalement, ça a un côté totalement dépassé, c'est pas du tout revisité. Et je trouve que même sur le propos, si quand ça a été créé, on pouvait comme ça se moquer de la clientèle des palaces, des 6 étoiles, aujourd'hui, le monde a tellement évolué que la clientèle, enfin, les gens qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, qui sont extrêmement riches, etc., sont pas forcément des gens qui vont dans ces palaces 6 étoiles, qui sont totalement surannés et démodés. Et du coup, ça marche pas parce que non, la clientèle extrêmement riche, ils vont plus dans ces palaces dépassés. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Enfin, je parle en termes de palaces, il y en a 5 ou 6 en France, pas plus. Et je trouve que du coup, ça marche pas. Il y a une espèce de côté vieillot qui fait que au bout d'un moment, on se demande un peu ce qu'on fait là. Et le spectacle, en fait, moi, j'ai trouvé qu'il démarrait bien au début. Voilà, parce que l'absurdité du texte, elle marche, elle est là. Il y a cette espèce de saveur dans le non-sens, et ça, c'est la plume de Ribes, et elle est géniale. On ne va pas lui enlever ça parce que c'est réel. Mais je trouve que monter comme ça, dans le jus, finalement, ça ne marche pas. J'ai eu l'impression de me retrouver, on va dire, 30 ans, il y a 30 ans. Dans les années Dans 80. les années 80. Mais Mais justement, le côté absurde, c'est ça qui a traversé un peu les années, qui marche le mieux. Dès qu'ils essaient de réactualiser le propos, alors ils collent des migrants, ils collent le changement climatique, on voit que ça fonctionne pas. Bah que c'est collé, quoi, et c'est que collé, ça tombe comme un cheveu sur c'est la ça. soupe. Et du coup, je trouvais que c'était même pas drôle. Non. C'était limite malaisant, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, c'était oh ben on va essayer d'actualiser. Bon, bah ben, hop, on parle des migrants. Ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça marche pas parce que ça ne colle pas à cette clientèle des années 90. Et moi, justement, en n'ayant pas la référence, parce que je suis allée comme ça, en n'ayant pas en tête ce que ça avait été et ce que ça avait pu représenter, et ben en fait, je me suis pas du tout retrouvée. Bon, alors quand même, pour être sincère, j'étais là le même jour que vous, Véronique et Suzanne, et je vous ai regardé pendant, parce qu'on était sur la même rangée. Et il y a de temps en temps, au début, effectivement, où on rigolait, et je me suis dit, ah bah ça va être bien et tout, en plus, on est tous dans cette dynamique, et puis au final, après, plus personne ne bouge. Plus personne ne rit. Et en fait, c'est assez. Moi, ce qui m'intéresse, étant donné que j'ai pas la référence et que donc je peux pas comparer, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de me demander à quoi ça tient que cette chose, cet objet qui était connu, donc je pense, de la plupart des gens dans la salle, ben, ne marche pas sur scène, en fait. Et n'arrive pas à apprendre, et n'arrive pas à trouver, et à connecter. Et je pense que c'est aussi parce que, quelque part, les interprètes, qui sont ceux qui étaient connus dans ces rôles-là, ont fait la série. Et que là, du coup, tout le monde venant plus ou moins avec Cette son référence. idée et ses références, et même moi qui ne les avais pas, bah en fait, je vois que c'est quelque chose qui est répété, mais qui n'est pas raconté de première voix, quoi. Et donc, du coup, ça ne marche pas. Et c'est un peu Mais ils dommage. n'essayent pas, de toute façon, les nouveaux comédiens n'essayent pas vraiment d'y mettre leurs pattes. Enfin, quand on voit les personnages qui étaient joués dans la série par Philippe Corsan et Eva Darlan, ils arrivent sur scène, on se croirait dans le sketch à la télé, on attend presque que les gens applaudissent. Alors ils sont bons hein, quand même. Enfin, c'est ce qu'on a dit dans les comédiens et les danseurs, ils font le boulot, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. On revoit Valérie Lemercier, on revoit
Philippe Corsan ou Marcel Philippot. Alors voilà, la petite nouveauté, c'est que Marcel Philippot, qui jouait le rôle du client mécontent, bah, c'est une femme. Heureusement d'ailleurs, parce oui. que ça aide un peu à oublier, alors que Valérie Mercier, c'est aussi une femme qui reprend ce rôle, et là c'est beaucoup plus dur. Effectivement, je trouve que c'est difficile pour ceux qui connaissaient la série, on est déçus, et pour les, enfin, les jeunes n'auront jamais envie d'aller voir ça, parce que ça a quand même une grosse teinte générationnelle. Ouais, voilà. Donc je pense que le pari de Rib, en plus il a fait un gros pari, parce que c'est un spectacle dont on entend parler depuis un an, les réservations sont en vert depuis un an, enfin je suppose qu'il a misé beaucoup sur ce spectacle. Et on voit déjà que les billets commencent à être bradés sur certains sites, donc je ne sais pas si ça marche très bien, et je comprends plutôt. Ils sont de toute façon, c'est hyper cher, donc je comprends que ça soit bradé, quoi. Bah, moi, c'est un palace. Oui, mais c'est, voilà, c'est, moi, c'est le tarif palace qui m'a aussi un peu étonnée. Ouais. Parce que quand on connaît Jean-Michel Rib, quand on connaît le travail qu'il fait au rond-point, j'étais assez surprise de le voir dans une entreprise très commerciale. Et puis, il y a une déception sur le fait que la musique est enregistrée. Il y a du playback. Voilà. Un seul chanteur. Il y a un chanteur qui, parfois, est en playback, j'ai eu l'impression. Oui. Sur la fin, t'as un comédien, tout le monde l'a vu, qui connaît pas les paroles. Mmh. C'est quand même gênant. J'ai l'impression que c'est tous les soirs comme ça. Alors, peut-être que c'est fait exprès, mais je suis pas sûre. Donc, c'est vrai que ce côté musique enregistrée, enfin, les décors sont sublimes. Les changements de décors se font à vue. Il n'y a aucun problème. Techniquement, c'est parfait. Il y a un problème d'appropriation en fait, et ouais. du coup ça fait qu'il n'y a pas une sincérité qui fait qu'on accroche et qu'on est avec eux, parce qu'on a ouais. l'impression d'avoir une représentation de quelque chose qui en fait du coup, moi comme je lisais ta chronique Véronique, je me disais bah, c'est à peu près ça, c'est tout le jus de cette série a été fait et a été donné, et du coup il n'y a peut-être pas matière à. Et ça marche pas en fait, la sauce ne prend pas, et j'ai l'impression qu'ensuite c'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que si le public adhérait totalement, s'il y avait une vraie adhésion, y a des gens qui aiment, et tant mieux d'ailleurs. Mais on sent quelque chose, une sauce qui ne prend pas, ça ne marche pas. Bon, alors si j'ai bien compris, ce palace n'est pas très palace. Non. Pour finir, Axel, tu ne chanterais pas le générique ? Je sais que tu adores cet air. Bon, il me fait signe que non. Cher chroniqueur, merci. Merci à toi. Nous allons poursuivre avec le coup de cœur collectif qui est La vie de Galilée à la Scala. Alors, qui commence ? Thibaut ? Moi, j'ai trouvé que c'était une adaptation, enfin, une mise en scène qui était très belle esthétiquement, avec les clairs-obscurs dans une version épurée qui laissait très bien entendre le texte de Brecht, un peu aride, mais il laisse passer toute la complexité. Opposant les lumières de la raison à l'obscurantisme de l'Église. Et d'une distribution très homogène, Toretton ressort magnifiquement. C'est un acteur immense. Il l'avait déjà prouvé dans Cyrano à l'Odéon il y a quelques années. Et je trouve qu'ici, il laisse exploser tout son talent en retenue, sans en faire trop, contrairement à certaines fois. Sans éclipser le reste de la distribution. C'est ce que j'allais dire. Vraiment, je lui tire mon chapeau parce qu'il m'a... Il a gardé mon attention dans une pièce, comme je l'ai dit, qui est assez complexe, assez aride. Et son seul jeu vaut tous les compliments. Et effectivement, je te rejoins sur la prestation de Philippe Toretton, qui est exceptionnelle. On sait que c'est un grand comédien, un grand acteur, mais là, il est vraiment magnifique. Et toute la troupe autour de lui n'est pas écrasée. Au contraire, chacun a sa place et chacun bien dans son rôle. Et à son, pas son heure de gloire, mais ils sont vraiment ensemble. Et je trouve ça assez extraordinaire, surtout si on compare à la version de la comédie française qu'on a vue à la fin de la saison dernière, où là on avait Hervé Pierre qui dominait toute la distribution et le reste qui était, alors dominait pas dans la proportion de Philippe Toretton, mais qui quand même écrasait le reste qui était, à mon avis, assez moyen. Là, on est sur le clair-obscur, comme tu dis, et sur un texte qui est parfaitement lisible, parfaitement compréhensible. Oui, j'ai aimé l'absence d'affaîterie, l'absence d'artifice entre les... l'absence d'artifice, il y a quelque chose de très épuré qui est très, très agréable. Et la scénographie... Pardon, Suisse. La scénographie est magnifique. Moi, je trouve que justement, il y a très peu de choses sur scène, à part une grande table et quelques accessoires, l'astrolabe, évidemment. Et... on comprend toujours où on est. Alors évidemment, il y a un texte, il y a une projection qui indique toujours
l'époque et l'endroit où se déroule la scène qui va suivre, donc on n'est jamais perdu. Mais il y a un moment, on comprend toujours, ne serait-ce que de toute façon par la scénographie ou par les lumières, il y a quelque chose qui m'a bluffé la première fois que je l'ai vu, c'est quand on se retrouve au Vatican, les néons, font une croix gigantesque au-dessus de la scène qui domine et qui écrase la salle. Et je me suis sentie, la première fois que j'ai vu cette croix, mais écrasée par le Vatican et par sa puissance et par le poids qu'il pouvait avoir à l'époque. Et je trouve que c'est très très bien retranscrit, car il y a quelque chose d'assez phénoménal à ce moment-là, la musique. J'ai trouvé que c'était une très très grande intelligence, un spectacle d'une grande intelligence dans tous ses domaines. Dan va nous parler de Philippe Torreton. Non, on a déjà dit beaucoup de choses sur Torreton. Je rejoins tous les avis. Je voulais juste mentionner cette mise en scène j'ai trouvé absolument parfaite, qui part du texte et qui n'utilise que le texte. Et c'est tellement parfait, c'est tellement intelligent qu'elle peut s'autoriser à un moment une petite incursion dans l'actualité. C'est juste ce qu'il faut. Je ne dévoilerai pas pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Mais c'est juste à l'endroit où il le fallait. C'est magique, c'est incroyable ce travail et je conseille à tout le monde. Il y a une tournée en France qui, j'espère, sera importante, donc allez-y. Et on espère une reprise à Paris, vu le succès. Câble. C'est absolument éblouissant et bien sûr, ça va tourner à Lyon au Théâtre des Célestins, dans d'autres endroits, et je conseille à tout le monde d'y aller parce que c'est pour moi un théâtre complet. Dans la qualité de jeu, dans la mise en scène, dans la scénographie, dans les lumières, dans les musiques. Et comme le disait Suzanne, totalement au service du texte. Donc un coup de cœur général largement, très très largement mérité. Voilà, c'était à la Scala et ça va tourner. Alors on poursuit avec l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, imaginé par Lewis Carroll. Mais qui est-il ce Lewis Carroll? Peut-être aurons-nous la réponse avec Lewis versus Alice, qui est donné au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Pour tenter de répondre à cette question, Bénédicte de Nouvelle Claque, Claire Aparté Théâtre et Yann Le Galopin ainsi que Titi Katiam Thibault. Alors, Lewis versus Alice, d'après les textes de Lewis Carroll, adaptation de Macha Makaïef et Gaël Hermant, mise en scène par Macha Makaïef avec Geoffrey Carret, Caroline Espargilière, Vanessa Fonte, Clément Griffauge, Yann Peters, Geoffroy Rondeau, Rosemary Sandler. Je vais aussi citer La Patte Lumière de Jean Bellorini. Alors, Macha Makaïef confronte sa fantaisie à celle d'un écrivain victorien inclassable, l'énigmatique Lewis Carroll, affabulation, murmure, ragot, persiflage autour de l'auteur d'Alice. Qui est ce fils de pasteur et clergyman lui-même, marginal et célèbre, pédagogue, dépressif, polémiste, ce logicien qui écrit des contes extravagants. Sur Twitter, Cyril Barthalot a écrit « 2 heures de n'importe quoi, mais de très bon n'importe quoi ». Une réaction ? Je suis assez d'accord, moi, avec ça. C'est un spectacle, effectivement, qui mélange beaucoup de choses, puisqu'il confronte l'auteur et son double. Les deux Alice, une qui parle anglais, une qui parle français, parce que on peut supposer que l'Alice qui parle anglais est la petite fille qui a inspiré le livre, et j'ai trouvé que ce mélange-là était assez... pour peu qu'on se laisse un peu aller, qu'on cherche pas trop à... Voilà, je pense qu'il faut lâcher prise un petit peu, et puis moi j'ai aimé ce spectacle. Moi je suis tout à fait d'accord. Au début je me disais, mais de quoi? Mais quelle histoire? Qu'est-ce qu'on me raconte? Et puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est beau. En plus, il y a des chants qui sont vraiment super et on est vraiment entraînés et tout. Et après, c'est l'univers de Macha qui est aussi très visuel, avec une certaine plastique, avec des choses qui reviennent aussi. Si certains d'entre vous ont vu Trissotin ou Les Femmes Savantes à la Scala, mais il y avait aussi cette espèce centrale avec un étage aussi qui ouvre un peu l'espace. Donc on a 2 étages, on a aussi les animaux empaillés qui viennent, on ne sait pas trop pourquoi, mais à chaque fois sur ces mises en scène. On a aussi les lumières de Jean Bellorini, donc il y a quand même une patte qu'on retrouve, et quand on aime, parce qu'il faut aimer Macha Makaïef, on s'y retrouve. Mais après, l'histoire, étant donné aussi qu'on mélange tous les univers et qu'on passe d'un livre et d'un roman à l'autre, à un moment donné, on ne sait plus où on en est, c'est très très bien, c'est très beau. Mais lâchez prise et dites-vous à la fin, est-ce que j'ai pas rêvé et qu'est-ce que c'était que ce songe, quoi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Alors moi, j'ai trouvé vraiment le travail d'un esthétisme et d'un regard extrêmement pertinent, extrêmement marquant. Et d'autant plus que Makaïev suit vraiment le nonsense cher à Lewis Carroll. Et ça, on ne peut pas lui reprocher, puisque la pièce n'a ni queue ni tête. Simplement, elle semble vouloir néanmoins apporter une clé ou une sorte de fil d'Ariane à cette pièce en faisant un parallèle entre le destin d'Alice et le destin de son auteur et tous les doubles dont a parlé Yann. Cependant, moi, je ne l'ai pas du tout vu, ce fil d'Ariane, et je n'ai pas du tout compris le sens de cette pièce, alors que, visiblement, il y a la volonté d'en faire un, d'en donner un à la pièce. Et au bout d'un moment, moi, contrairement à toi, Bénédicte, au début, je me suis vraiment plongé dans cet univers, mais au bout d'un moment, elle m'a perdu, puisque ce n'est que esthétisme, ce n'est que image, ce n'est que chant. On pourrait assister à un concert avec de belles images, et moi, ça m'a perdu. Alors, oui, elle a du talent, il y a des scènes qui sont extrêmement réussies, comme la Tea Party, la partie de croquet, ou les parties avec les Cheshire Cat, qui sont vraiment réussies, mais c'est un enchaînement de scénettes sans queue ni tête. Oui, moi, je trouve qu'elle nous fait tomber dans le trou de terrier, donc effectivement, on retrouve tous les personnages, et c'est très beau, très esthétique. Moi, j'avais adoré la fuite que j'avais vue à la criée de Masha Makeyev. Effectivement, elle est très forte en tableau esthétique, c'est magnifique, les lumières sont superbes. Et par contre, voilà, on se dit, mais quel est le sens, en fait? Pourquoi faire cette pièce? Parce qu'il n'y a aucune lecture. Et surtout, la plupart des textes sont en anglais, donc en fait, au bout d'un moment, on se dit, bon, on écoute, c'est joli, mais finalement, du coup... On comprend deux, trois choses, mais je pense que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc en fait, c'est une succession de tableaux. Voilà, c'est une succession de tableaux. Alors parfois, on se raccroche. On se dit, ah là, il y a la scène du chat du Cheshire. Elle va peut-être nous dire quelque chose. En fait, on attend toujours qu'elle nous dise quelque chose et rien ne se passe. Donc moi, c'est vrai que je suis restée vraiment en dehors de cette sorte de pays imaginaire, de ce cauchemar finalement. Mais pourquoi non, mais je veux dire, déjà, Alice, c'est quand même... Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un univers assez cauchemardesque. Après, ça dépend de la lecture de chacun. Je ne disais pas que la mise en scène était cauchemardesque. Mais du coup, on n'est pas... je trouve que j'avais l'impression, en fait, d'avoir une vitre en face de moi, de voir des personnages bouger. Alors parfois, effectivement, la chanteuse de Moriarty chante, c'est magnifique, etc. Mais voilà, je pense qu'on va au théâtre aussi pour avoir du sens, pour avoir des paroles. Et là, moi, j'ai vu que de l'image et ça m'a vraiment coupé du conte. Et moi, je rebondirais sur la présence de l'anglais. En fait, il y a de l'anglais, mais qui est tout le temps retraduit par un autre personnage. Et en fait, ça allonge la pièce de manière démesurée. Donc, il y a un personnage qui parle anglais, l'autre à côté traduit. Et donc, on a compris. Enfin, autant, sinon, il faudrait faire un spectacle tout en anglais et surtitré. Mais là, ouais. Quel est l'intérêt de faire traduire par chaque personnage? Je voudrais juste rajouter une chose. Moi, le jour où je l'ai vu, c'était un dimanche après-midi. Il y avait des enfants dans la salle. Et les enfants réagissaient très bien, ils riaient. Voilà. Et je voudrais aussi dire que la chanteuse de Moriarty, Rosemary Stanley, je crois, elle est absolument épatante. Voilà, elle chante très bien. Et elle fait une très bonne reine de cœur. Et elle fait une très bonne reine de cœur. Bon, donc nous n'avons pas forcément notre réponse à la question de qui est Lewis Carroll. Mais on peut aller voir maintenant à Angers, je crois, en octobre, puisque ça se joue jusqu'au 13 au théâtre Gérard Philippe. Et ensuite, ça part en tournée, entre autres, à Angers. Donc, Lewis versus Alice, d'après les textes de Lewis Carroll, adaptation Masha Makeyev et Gaël Hermant, mise en scène par Masha Makeyev. Yann, tu restes avec nous et tu nous fais part de ton coup de cœur. Oui, alors, donc, mon coup de cœur, c'est un spectacle qui s'appelle Naufragé, qui s'est joué au Gouffre du Nord et qui est adapté et mis en scène par Emmanuel Mérieux à partir d'un livre de Patrick Declercq. Bon, Naufragé... ça nous fait un peu partager le quotidien des clochards de Paris. Et l'auteur, qui s'est fait passer pour l'un d'entre eux, les a suivis jusqu'à une maison d'hébergement qui est située à Nanterre. Ensuite, il s'est engagé en médecin du monde. Et donc, il les a soignés. Et puis, il est devenu psychiatre. Et donc, il a essayé de les aider. Donc, parmi ceux qu'il a côtoyés... À un moment, il s'attache un peu plus au destin d'un clochard qui s'appelle Raymond et qu'il perd de vue et qu'il essaye un peu de retrouver et de savoir ce qu'il est devenu. Alors, c'est pas vraiment une pièce de théâtre. En fait,
C'est lu par le comédien qui s'appelle François Cotterel, derrière un micro, dans un très beau décor, qui est partagé, je crois, avec l'homme... La Fanome en rouge, voilà, merci. Du même metteur en scène. Du même metteur en scène. Et il dit ce texte avec une douceur absolument sans pathos. Et sur les murs du théâtre, sont projetées des vidéos. On voit les ombres de tous ces clochards. Et finalement, Raymond, à la fin du spectacle, de manière onirique, vient rejoindre tous ces fantômes. Et moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle très fort, parce qu'il n'y a aucun jugement. Juste l'impuissance de cet homme à aider ces clochards, et puis des révoltes parfois, parce que on sent que c'est difficile c'est difficile pour eux de se réadapter à une société dont ils ont été exclus pendant très longtemps. Voilà. Et je plus sois, c'est un merveilleux spectacle, ouais. Et d'après un livre tout aussi merveilleux que je vous recommande de lire. Ouais. Voilà. Effectivement. Et je moi j'ai retiens aussi une phrase qui arrive à la fin du spectacle et où on dit y a-t-il une vie avant la mort. Donc ça, c'est une phrase qui m'a marqué. Donc là c'est terminé au Bouffe du Nord, mais le spectacle va tourner en France jusqu'à la fin du printemps. Bon, il y a des dates prévues à Marseille du 15 au 19 octobre. Ça sera à Vannes, à Toulouse. Et si j'ai encore une petite minute, je voudrais juste rajouter, parler d'un autre spectacle qui s'appelle « Pompier », qui est au Théâtre du Rond-Point, qui est aussi un spectacle très fort, qui parle de l'abus d'une jeune femme qui est un peu fragile mentalement par un pompier. Bon, par plusieurs pompiers, et je trouve que c'est merveilleusement interprété par Géraldine Martineau et Antoine Chollet qui joue le rôle du pompier. Et donc là, c'est jusqu'au 13 octobre au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup, Yann. Après Lewis versus Alice, nous restons à la thématique d'Alice au Pays des Merveilles avec une troublante et violente traversée du miroir, avec les Beaux au Théâtre du Petit Saint-Martin. Alors, sont autour de la table pour en parler. Claire d'Aparté Théâtre, Thibaut Titicatiam, Suzanne Mort du Théâtre et pour la première fois et en exclusivité, Ilona du blog Ilona Artitude. Bienvenue Ilona. Merci. Bienvenue. Alors, Les Beaux de Léonore Confino, mise en scène de Côme de Belsize avec Élodie Navarre et Emmanuel Noblet. Le pitch. Un homme et une femme vivent sous nos yeux un amour parfait entre week-end d'orange et bal somptueux, mais leur beauté a quelque chose de lisse, leurs mots sonnent étrangement faux et pour cause. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas divulgâcher. Alors, sur Twitter, deux avis très différents que je vais citer parce qu'ils sont tout aussi pertinents l'un que l'autre. Nathalie Delpera écrit « Un couple beau mais un peu barge, la bonne idée du départ disparaît assez vite et le texte brasse vraiment beaucoup trop de variations sur la vie à deux. » De son côté, Ludo indique « Élodie Navarre et Emmanuel Noblet, épatant en couple déglingué, se délectent du texte acéré et jubilatoire de Léonore Confino dans une mise en scène étonnante. » Alors, épatant ou décevant? Moi, je suis très d'accord avec les deux tweets, en fait. Je trouve que l'idée de départ était vraiment fantastique. J'aurais même aimé ne pas avoir lu le résumé pour avoir la surprise, donc je ne vais pas en dire plus. Mais très vite, on change d'atmosphère. Et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses entre ce couple, même si c'est très bien écrit et c'est vraiment très, très bien joué. C'est vrai qu'il y a une toute petite frustration sur... Elle aurait pu aller encore plus loin et se resservir de sa trame de départ, en faire quelque chose. Il y a une petite facilité sur le moment où on passe entre le début et tout ce qui sera la suite du spectacle. Et cette traversée du miroir finale, moi, ne m'a pas convaincue. Ilona. Alors, je suis d'accord avec toi, j'ai fait la même erreur, c'est-à-dire que j'ai eu la feuille de salle dans les mains et je sais pas, mon regard s'est attardé dessus. Et donc du coup, pareil, j'ai eu la surprise qui a été dévoilée. Après, ça ne m'a pas empêchée d'apprécier la pièce quand même, parce que bon, il faut dire qu'elle est assez courte aussi. Le propos est plutôt facile d'accès,
tant par la forme que mine de rien par le fond, même si on affleure beaucoup de choses, on reste pas mal à la surface, il y a beaucoup de propos qui sont envisagés d'un côté et de l'autre. Et en fait, du coup, le spectateur ressent à cette impression de correspondance, d'identification, et en même temps, sans pour autant pouvoir aller trop dans le fond. En fait, je pense que c'est dû en particulier, du coup, à la durée plutôt courte de la pièce, et en même temps aussi au fait que, bah, comme tu dis, le propos de départ qui est très intelligent, en fait, ne dure pas, on s'engage sur quelque chose d'autre. Et donc, du coup, bah, en fait, on est un petit peu... J'allais dire confus, mais en même temps je peux comprendre qu'on reste sur le propos de départ, parce qu'en fait il sert vraiment de point de départ ensuite pour servir quelque chose d'autre. Et le problème, c'est que même si c'est pas dépourvu d'intelligence, c'est pas dépourvu d'intérêt, on tombe quand même dans quelque chose de convenu et de déjà vu, en tout cas dans ce qui est du thème abordé, même si c'est abordé de manière intelligente et que effectivement je suis d'accord avec un des deux tweets qui disait que oui, le texte est acéré. Je soulignerai aussi l'implication physique et remarquable des deux comédiens qui se donnent vraiment à fond, même si parfois trop, mais en même temps je dirais que c'est pour souligner le côté absurde, le côté amplifié à chaque fois de cette relation entre les deux, et du coup qui entre en résonance aussi avec la scène de départ, quoi. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je vois en fait qu'on puisse venir d'un point A à un point B, et du coup même si l'originalité qui était à la base de ça manque, en fait, je sais pas, des petites références, des petits retours, même si on en a un écho vers la fin, ça n'empêche pas d'apprécier la pièce. Thibaut, tu ne semblais pas d'accord complètement avec ce que disait Ilona. Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait un traitement quand même assez original. Bon, le thème, c'est le thème du couple, c'est vrai qu'il revient beaucoup au théâtre. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le cynisme et le mordant de ce texte qui ose dire les choses, qui ose montrer les défauts des gens, le cauchemar, les mesquineries, la violence que peut être le couple. Et ça, je l'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est vraiment fait avec beaucoup de mordant, une ironie constante. Et c'est en cela que je pense qu'il y a une vraie modernité et un vrai point de vue qui est adopté et qui est tiré tout au long de la pièce. Et il y a un vrai point de vue, un vrai choix. Et ça, c'est vraiment appréciable. Comme l'ont dit les deux chroniqueuses précédentes, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu une toute petite... petit contrepoint au début, qui est au début surnaturel, si on peut dire, et donc qui soit repris pendant la pièce parce que ce début est vraiment très intéressant. Mon gros bémol, c'est le changement de décor au plein milieu de la pièce. Tu rigoles, c'est génial. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce changement de décor. Je n'ai pas compris cette explosion. Pour moi, ça ne me parle pas. Alors que le texte était parlant tout seul et je n'ai pas compris... Pour moi, c'était du surlignage inutile, détruire les meubles pour montrer que le couple se détruit également. J'ai trouvé que c'était une facilité qui était évitable. Et je vous rejoins totalement sur l'extrême qualité du jeu des comédiens, avec un investissement formidable. Emmanuel Noblet avait la cheville trempée à la fin de la pièce, on comprend pourquoi. Et tous les deux dégagent un charisme et un jeu extraordinaire. Alors moi je suis un peu mitigée sur cette pièce, même si effectivement je trouve les comédiens exceptionnels. Moi j'ai découvert Emmanuel Noblet là dans ce rôle. Je les trouve superbes tous les deux. Je pense que c'est un terrain de jeu extraordinaire effectivement pour tous les deux, de part notamment la scène de départ. Et donc la transformation ensuite des deux personnages. Moi, ce qui m'a un tout petit peu... J'aime énormément Léonore Confino. J'avais été complètement folle de Ring, qui avait été joué au même endroit au Petit Saint-Martin, qui était vraiment absolument sublime dans le texte, dans le jeu, etc. Là, j'ai trouvé qu'il y avait, moi, pour le coup, une facilité dans justement cette façon d'illustrer les déchirures du couple. J'ai trouvé... Alors, il y avait tout, quoi. On avait le mec qui est chez Publicis et qui se coque. On a l'enfant qui a des problèmes. Alors, au début, on se demande si elle n'est pas trisomique handicapée. Et puis, en fait, on se rend compte que bon, c'est autre chose. Je trouve que tout est brassé, quoi. Les frustrations sexuelles, etc. Et elle n'est pas d'accord, la ma voisine, là. Alors, moi, je trouve qu'au contraire, c'est dans Ring qu'on avait un...
un amas de platitudes, alors que là, c'est fait justement, comme le disait Thibaut, avec beaucoup, beaucoup de mordant et beaucoup de vérité, d'authenticité dans les mots. Alors que, au contraire, Ring était extrêmement plat. Là, ça explose. Moi, et ça trouve... explose alors, vraiment. À la fin, c'est très intéressant. Je trouve que la scène finale est très intéressante, justement, ah non. dans la... Eh ben non, mais c'est justement... Final, franchement, elle est hyper facile, la fin. Le couple se parle enfin. Ce que oh non, dire, mais c'est un pathos qui arrive. C'est ah pas ouais bien. Oh non. Ah bah fallait moi, que ça explose. Moi, j'ai ça vraiment... Il ne fallait pas divulgâcher la fin. On non, a pas dit rien du tout. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, enfin, excusez-moi, mais tous les couples modernes ne sont pas comme ça. Je mais c'est parce qu'elle dit, elle ne dit non, pas je ça. Je trouve ça un peu gros, c'est toujours le mec un peu mais elle macho. Dit pas ça. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu cliché. Voilà, c'est juste, j'ai trouvé ça un peu cliché. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que généralement, elle arrive à être plus profonde dans ses textes. Alors après, les mots, effectivement, font bien parce qu'ils choquent. Et ça marche, mais moi ça m'a voilà, c'est ça qui m'a pas plu, mais enfin qui m'a pas plu, disons que déçu. Voilà, donc on va finir par Claire. Non, c'est pas bah, non, en fait, je voulais dire ce que j'ai beaucoup aimé dans la mise en scène par rapport au texte, et du coup, la référence de la petite s'appelle Alice, et on parle beaucoup de traversée du miroir, etc. La mise en scène est de sous tous les angles en miroir. Donc autant par l'explosion de la deuxième partie qui ensuite révèle dans le décor des miroirs partout, puis aussi dans la relation, bah, je pense, des deux personnages, l'un et l'autre, aussi de la relation, bah, on va dire, des personnages du début par rapport aux personnages après, des parents à l'enfant, et puis aussi des personnages par rapport aux spectateurs. Et en fait, je trouve qu'en fait, il y a plusieurs couches dans le spectacle, plusieurs niveaux de lecture qui sont intéressants, en fait, une fois qu'on les analyse. Parce que quand on voit la pièce, donc encore une fois, on est peut-être plongé dedans, on écoute ce qui se dit, on le vit, on rigole beaucoup. Hein. Faut le rappeler quand même moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans la pièce, hein, parce que c'est quand même assez mordant, le propos manque de subtilité peut-être, mais au moins... Dans cette explication, de ce côté-là, ça permet aussi une identification plus simple. Hein, ça englobe beaucoup, mais ça permet une identification plus simple. Et donc, du coup, oui, voilà. Je voulais insister sur ce côté réfléchissant en miroir de tous les côtés. Bon, donc, Les Beaux de Léonore Confino, mise en scène de Côme de Belsize avec Élodie Navarre et Emmanuel Noblet jusqu'au 9 novembre au Théâtre du Petit Saint-Martin. Donc on va rester dans les scènes de ménage et on va traverser la rue. Alors scène de ménage, porte qui claque, on va au théâtre de la Porte Saint-Martin avec la dame de chez Maxime. Nous rejoignent Christine et le retour de Maxime du blog Les Espaces Libres. La dame de chez Maxime de Georges Feydeau, mise en scène Zabou Breitman avec entre autres Léa Drucker, Michel Esco, André Marcon, Christophe Paou, Éric Pratt, etc., etc. Il y a un très long générique, je ne vais pas l'énumérer en totalité. Le docteur Petitpont, médecin respectable, a fait la fête jusqu'au petit matin chez Maxime. Son meilleur ami le découvre endormi à midi sous un canapé renversé. De la chambre sort la môme Crevette, une danseuse du Moulin Rouge. Celle-ci est forcée de se faire passer pour sa femme. Elle se pique au jeu et provoque une cascade de quiproquos et d'imbroglios et de coups de théâtre à un rythme effréné. Donc sur Twitter, un autre Maxime Grand-Georges, écrit « Zabou Breitman orchestre un joyeux bazar, un spectacle déjanté, porté par une troupe dynamique. » Alors je dirais, honneur à toi Maxime. Moi je suis plutôt d'accord sur la première partie. Il y a du rythme, je trouve qu'il y a un bon duo quand même, Michel Esco, Léa Drucker, j'ai bien aimé leurs deux rôles et le duo qu'ils formaient. Du coup, je trouve qu'au début, ça marche bien. J'étais assez ça commençait bien, j'étais plutôt dans le spectacle. Et après, je trouve que dès qu'on arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire à partir du moment du mariage, où là, ça commence à traîner un peu en longueur, on perd un petit peu le rythme. Et je trouve qu'il y a des coupes qui auraient pu être faites dans le spectacle pour gagner un peu en rythme, en densité, parce que là, on s'ennuie, parce que la pièce est longue, elle dure 2 heures.
Et c'est vrai que autant au début, je trouve que ça passe très bien, et après, voilà, dès la deuxième partie qui est assez longue, hein, qui dure au moins une heure, je trouve que là, on commence à s'ennuyer. Et bon, dans une comédie de boulevard, c'est quand même pas très bon quand on commence à bouger sur sa chaise, à regarder un peu sa montre. Donc voilà. Bah, du rythme, oui, il y en a effectivement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de montée. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on est dans la folie, dans du mouvement, et ça ne s'arrête à aucun moment. Du coup, moi, j'ai souri de temps en temps, pas très très souvent. J'ai jamais ri aux éclats. Et je trouve ça un peu dommage pour un Phédo. Là, tout à l'heure, on parlait de la puce à l'oreille et de tout le dynamisme et de la joie qu'il y a dans la puce à l'oreille à la Comédie Française, que je n'ai pas encore vu, donc je ne peux pas comparer. Sur cette dame de chez Maxime, moi, je suis restée vraiment sur ma faim, en tout cas pour ce qui est de la mécanique de Phédo. Il y a des choses, on me dit tout le temps, Phédo, il faut que ça soit impeccable, tout doit s'enchaîner, il n'y a pas de temps mort, c'est réglé à la minute près, tout est le moindre détail. Et là, j'ai l'impression qu'on rajoute des choses qui finalement viennent un peu casser le rythme et viennent casser cette mécanique. Exemple, on fait joujou avec les décors, quand Michel Lescaut tire sur le cordon pour lever le décor du fond et qu'on voit les comédiens qui sont en train de se changer. Ou toujours ce décor qui, pour le troisième acte, retombe. Donc, on casse un petit peu ce mur qui fait qu'on ne voit pas normalement les changements de décor. Là, tout se fait à vue avec le premier décor qui descend des cintres et qui se met complètement de guingois. Donc, bon, OK, pourquoi pas. Les hommes dans la scène du mariage, les femmes, les bourgeoises dans la scène du mariage qui sont jouées par des hommes, pourquoi pas. Mais... je ne vois pas ce que ça apporte, en fait, au texte, que je trouve vieillot. Mais vieillot, je vais donner un exemple, la chanson qui est chantée par la môme crevette lors du mariage, qui contient de l'argot qui est quand même très daté. Bah, si on n'a pas cette culture du Paris de l'époque de Phédo, pas sûr que ça accroche. Donc, je ne veux pas dire que Phédo n'a pas sa place au théâtre aujourd'hui. D'ailleurs, la Comédie Française le prouve, il a toujours sa place. Je trouve juste que la mise en scène de Zabou Breitman est, elle aussi, un peu vieillotte. En fait, elle n'apporte pas ce dynamisme que j'attendais d'un Phédo. J'ai passé une bonne soirée. Je pense que les gens qui aiment le vaudeville, qui ne vont pas forcément au théâtre autant que nous, vont passer une bonne soirée et ça touche un certain public. Moi, je suis restée un peu sur ma faim. Nous étions 6 ce soir-là. Sur les 6, avec des goûts toujours très différents, on est la moitié à être un peu resté sur notre faim. À côté de ça, je trouve que la distribution est absolument... enfin, le quator qui joue les 4 rôles principaux est vraiment très bien. Je suis d'accord sur Micha, qui avec son grand corps dégingandé, qui traîne son désespoir de vouloir essayer de contrôler les choses, et à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est encore de pire en pire. Léa Drucker est gouailleuse à souhait dans le rôle de la môme crevette. Comment il s'appelle ? Marcon, André Marcon. Et l'élément qui rééquilibre un petit peu tout ça, il est droit en général. Je l'ai trouvé absolument parfait comme d'habitude. Et j'ai oublié le nom de la quatrième comédienne qui joue la femme du docteur Petitbon, qui est Anne Roger. Anne Roger, voilà. Anne Roger, qui je trouve, elle aussi, assez extraordinaire parce qu'elle est là aussi complètement figée. Elle me faisait penser à un personnage de dessin animé, mais j'ai jamais réussi à retrouver lequel. Mais cette coiffure, cette tenue complètement rigide... cette scène au mariage où elle est complètement hallucinée, c'est assez extraordinaire. Il y a des belles choses dans la mise en scène, mais globalement, c'est un peu poussif. Non, je suis d'accord, c'est vrai que c'est assez convenu, il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de transposition. D'ailleurs, comme on le voit souvent, là pour le coup, elle est restée un peu dans le jus, ce qui n'aurait pas été forcément un souci, ça aurait pu être assumé, mais c'est vrai que quand on va quand même souvent au théâtre... Moi, au début, j'avais peut-être l'enthousiasme, justement, ça faisait un moment que j'y étais pas allé. J'avais peut-être ce côté un peu, du coup, content de me retrouver dans une salle de spectacle. Et je trouvais qu'il y avait le dynamisme à emporter au départ, du jeu, comme tu dis, de la distribution qui est quand même, je trouve, assez convaincante.
Et après, effectivement, c'est assez convenu. Il y a quand même peu de choses qui sortent du cadre. Et je trouve qu'il y a vraiment des moments, des scènes qui auraient pu être coupées, qui n'apportent rien. Tu vois, à un moment donné, la scène des pompiers, où ils regardent les pompiers, il ne se passe rien du tout. Ça dure quelques minutes et on attend. Cette sarabande qui n'arrête pas sur tout le deuxième acte, qui nous donne un peu le tournis. En fait, j'attendais un peu plus de folie de la part de Samuel Whiteman. Oui. Et c'est peut-être ça qui m'a manqué. Bon, alors, une dame de chez Maxime peut-être un peu trop raisonnable. Je vous rappelle que cette pièce se joue jusqu'au 17 novembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin, puis au Théâtre Montansier à Versailles du 7 au 12 janvier 2020. Donc, la dame de chez Maxime, mise en scène, Zabou Breitman. Christine, tu vas rester et nous faire part de ton coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est pour un spectacle qui s'appelle Les Témoins, qui se joue depuis 3 semaines, 1 mois, à la Manufacture des Abbesses. Pour ceux qui ont vu, il y a quelques années, La Chute d'une Nation, c'est le même auteur, Yann Rezo, qui écrit ce qui pourrait être une suite, mais qui peut se voir d'une manière complètement dissociée, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu La Chute d'une Nation, allez voir les témoins. Là où Chute d'une Nation se terminait avec l'arrivée au pouvoir du Front National, enfin d'un candidat d'extrême droite, pardon, on est au lendemain de l'élection et on est passé du côté du monde politique au monde de la presse. Et là, on va avoir des journalistes qui vont se trouver confrontés à comment réagir à cette élection, comment réagir à cet avènement d'un nouveau pouvoir qui entend brider la presse et toutes les expressions. Et la question est de savoir comment garder son indépendance et rester dans sa déontologie quand on est confronté à un pouvoir qui veut vous écraser et vous faire taire. Donc on est dans la salle de rédaction d'un journal en ligne qui s'appelle Les Témoins. Et on va avoir ces 5 journalistes qui vont chacun avoir un point de vue et essayer de mêler, d'appréhender cette situation nouvelle. Il y a une écriture qui est très réussie. Il y a une mise en scène qui est très belle aussi, puisqu'on a un espace qui est, je trouve, très bien découpé, avec au centre un espèce de triangle qui est la salle de rédaction, et puis 2 espaces aussi en triangle sur les côtés qui permettent de voir ce qui se passe en dehors, et principalement la vie de ces journalistes quand ils ne sont pas dans cette salle de rédaction. On y voit le pouvoir qui va essayer de corrompre certains journalistes, on y voit ceux qui essayent de résister, on y voit ceux qui sont coincés entre leur vie personnelle et leur désir de vouloir continuer à bien faire. Et il y a toute cette écriture qui nous questionne beaucoup sur ce qu'est la liberté de la presse et comment elle doit réagir dans quand le pouvoir les menace. C'est, comme je disais, à la Manufacture des Abbesses. Il n'y a pas de date de fin, je crois, pour l'instant. C'est très réussi. C'est vraiment à voir. J'attends la suite aussi, parce que je trouve que la fin appelle une suite. Et j'espère qu'il y en aura une, parce que ça sera vraiment très intéressant de voir ce qui se passe après. Je vous laisse le suspense sur la fin. Et je garde, si tu veux bien, Hélène, je garde la parole juste 2 petites minutes pour vous parler d'un autre spectacle qui se joue à La Villette jusqu'au 20 octobre, qui est un spectacle complètement différent. Ça s'appelle « Secret temps 2 ». C'est fait par Johan Le Guilherme. C'est un spectacle qui date déjà de 2012, mais qui est en complète et perpétuelle évolution. Johan Le Guilherme a un univers qui est unique, qui n'est pas du théâtre, qui n'est pas du cirque, qui est assez indescriptible et je n'essaierai pas de vous le décrire. Il cherche sans arrêt à étudier le temps, le mouvement, la matière. Et il crée un spectacle tout en originalité, en poésie, en rythme. Je peux que vous inviter à aller le voir pour le découvrir par vous-même. C'est juste magnifique. Moi, j'ai découvert cet univers il y a 2 ans et franchement, je ne louperai rien de ce qu'il fait jusqu'à l'avenir parce que c'est vraiment un univers extraordinaire. D'accord. Encore merci, Christine. Alors, il est maintenant l'heure d'éteindre vos téléphones, ordinateurs et tablettes.
Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette 23e émission de Radio Mortimer. Nous avons parlé de La Puce à l'oreille à la Comédie Française jusqu'au 23 février, de Palace au Théâtre de Paris jusqu'au 24 novembre, de Lewis versus Alice jusqu'au 13 octobre au Théâtre Gérard Philippe, puis en tournée à Angers, d'Ebo au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 9 novembre, et de La Dame de chez Maxime au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 17 novembre, puis au Théâtre Montansier en janvier 2020. Nous vous retrouverons le 7 novembre pour une prochaine émission. Mais d'ici là, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, en utilisant le hashtag Radio Mortimer. Nous serons enchantés d'échanger avec vous. Grand merci au Théâtre de la Huchette, où vous pouvez venir voir ou revoir La Cantatrice Chauve et La Leçon, et une autre pièce, Les Forêts de Sibérie, d'après le livre de Sylvain Tesson, avec William Mesguich. Bonne soirée et fête de beaux rêves peuplés de spectacles exceptionnels. Au revoir. Et merci à Hélène qui anime.